Le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon a approuvé un rapport temporaire résumant ses arguments pour la révision de la constitution pacifique du pays. Le rapport dit que les membres du parti partagent toute la volonté de légaliser les forces d'autodéfense du Japon, mais divergent sur la façon de le faire. Le Premier ministre Shinzo Abe avait proposé un langage pour mentionner de manière spécifique les forces d'autodéfense, tout en maintenant les paragraphes actuels concernant l'article 9 et le renoncement à la guerre. Mais d'autres veulent abroger le second paragraphe qui veut que le Japon renonce au droit de maintenir des forces militaires et autres potentiels de guerre. Le rapport dit que le PLD tiendra des pourparlers constructifs avec les autres partis et les groupes parlementaires sur le sujet.